Salut les filous, c'est Fusa. Donc vous avez remarqué que j'ai un nouveau logo, car l'ancien était celui-là de 3DS Max. Je m'en excuse auprès d'eux d'avoir pris leur logo. Je ne savais pas que c'était à vous et c'était un entre guillemets ami qui me l'avait fait. Donc je le dis encore, je m'en excuse d'avoir pris votre logo. C'était pas mon intention et c'est vrai, j'aurais dû chercher si c'était pas un fake. J'avais déjà payé 5 € le logo, j'avais cru super sympa, mais en fait le gars, il me l'avait juste pris d'un autre site. Donc je m'en excuse auprès de vous, 3DS Max. Donc mon nouveau logo par contre a été réalisé par Soccar, il me l'a fait en direct. C'est un graphiste qui va même peaufiner les détails, chose que actuellement il n'y a pas grand graphiste qui le font. Alors certes, il fait payer, mais ça reste des prix raisonnables. Alors sa chaîne YouTube et sa page Facebook sont dans la description. Je vous invite à aller voir sa chaîne et ses œuvres. Alors il fait 3 € par contre, mais franchement ça vaut le coup. En tout cas moi je le remercie pour sa patience et son logo qu'il m'a fait et franchement jusqu'où qu'il a été pour le faire. Prochainement je réaliserai une vidéo de simulateur de camion quand je ne sais pas, mais c'est en cours sûrement. Et surtout, je ferai encore des vidéos hot parce qu'a priori vous aimez bien. Je reçois que des bons coms. Alors, je cherche un fan de basket ou quelqu'un qui joue même hein, pour faire des vidéos commentées avec moi sur des jeux de basket. Alors, le concept c'est facile, ça serait des gens qui nous envoient les vidéos et nous on les commente par au-dessus. Alors, pour le moment, je pense commenter des vidéos d'amis ou quoi, et peut-être par la suite vous nous envoyez, puis nous on reçoit, et puis ça marchera nickel. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, soit qui me laisse un message sur mon compte Facebook, soit qui me le laisse sur ma page Facebook. Donc voilà, sur ce, je n'ai plus trop rien à dire. Ah si, profitez du soleil et des nouvelles sorties de jeux vidéo. Restez raisonnable quand même en juin, surtout qu'il fait beau en ce moment dans toute la France et en Belgique. Donc franchement, sortez, allez faire plein de sport. Et un petit truc d'actualité que j'ai entendu parler, et je vais rebondir là-dessus. Un petit groupe de jeunes qui ont fait du airsoft sans masque, sans rien. Alors sachez que le airsoft c'est un sport très très dangereux. Si on met des équipements, des protections et tout, faut les prendre. Alors il y a un petit qui s'est mangé une bille dans l'œil de ce groupe-là. Il est bien amoché. Surtout, il est bien amoché son œil, pardon. Donc franchement, faites attention quand vous utilisez des armes. Donc voilà, surtout quand il y a des protections, mettez-les s'il vous plaît. Ça évitera de perdre des choses. Surtout qu'un œil, c'est précieux. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt les filous et c'était Fusa.